Hello tout le monde! J'espère que vous allez très bien. Je suis contente d'être avec vous. Enfin, je suis avec vous aujourd'hui. Merci à toutes celles qui m'ont écrit, qui ont laissé un commentaire sur l'une de mes vidéos pour me rappeler ou prendre de mes nouvelles, pour me demander qu'est-ce qui ne va pas, on ne te voit plus sur YouTube. Alors, ce qui m'était arrivé, non seulement j'ai pas de temps, mais j'ai eu une grave allergie au niveau de mon visage. Je vais vous mettre quelques photos et vous allez voir que non seulement j'avais pas le moral à ça, et en plus, je ne pouvais pas me maquiller. Le docteur me l'avait interdit. Je ne pouvais plus me maquiller. Donc, je ne pouvais plus me présenter. Je ne pouvais plus me voir devant une caméra. Donc, c'est pour cela. Mais là, maintenant, je pense que c'est à 90% résolu, regarde. Je ne porte pas de fond de teint, je ne porte, j'ai seulement fait mes sourcils et mettre un lipstick. Je ne porte pas de poudre, je ne porte pas de fond de teint. Donc, je pense que là maintenant, ça. Et si ça vous dit, vous pouvez me laisser un commentaire sous cette vidéo et pour vous montrer ma routine, qu'est-ce que j'avais fait. Quel traitement que j'ai eu pour que ça s'est amélioré. Donc, je vous ferai une vidéo sur l'amélioration de mon visage. Ok? Alors, aujourd'hui, nous allons réaliser ce petit pompon-là. Je ne sais pas comment on l'appelle. Je ne sais pas comment on l'appelle. Mais c'est une forme qu'on met pour avoir ça. Ok, pour avoir ça. Mais je crois qu'on vend ça. Je ne l'ai jamais acheté depuis que j'étais défrisée. Je le faisais. Vous allez le faire en fonction de la longueur de vos cheveux. Si ça vous intéresse, restez prêts. Alors les filles, vous aurez besoin d'une aiguille, du fil à coudre, des ciseaux et bien entendu des chaussettes de foot. Alors, je vous laisse regarder parce que la vidéo est très explicite, mais je dois vous expliquer quelque chose. Sachez que plus les chaussettes seront longues, plus les chaussettes seront épaisses, plus votre rembourrage sera plus gros et plus épais. Donc, si vous avez des cheveux assez courts, alors les filles, plus les cheveux sont courts, plus c'est moins. Alors, vous allez prendre des chaussettes moins longues, moins épaisses. Je crois que je suis claire. Plus vos cheveux sont longs, vous allez prendre des chaussettes beaucoup plus épaisses, beaucoup plus longues. Donc, moi-même, je veux vraiment un très gros pompon. Donc, alors, un très gros rembourrage. C'est pour cela que j'ai choisi ces chaussettes-là. Voilà. Je vais enrouler sur mon bras, c'est très facile à faire. C'est quelque chose que je fais depuis que j'étais défrisée parce que j'aime me faire des chignons. Donc, c'est facile à faire. C'est pas difficile. Voilà. Je vais terminer. Alors, je vais descendre ça jusqu'en bas. Et dans l'espace, alors, mon bras va former un petit trou. Voilà. Là, vous pouvez sortir le rembourrage de votre bras et couper. Ça va dépendre exactement de la grosseur que vous voulez. Mais moi, je veux un grand rembourrage. Donc, je vais terminer l'ouvrage. Là, ça ne peut plus avancer. Ce que je vais faire, je vais sortir l'ouvrage et regarde, il y a un trou qui se forme. Je vais passer les chaussettes. Je vais passer les chaussettes et rentrer dans le trou. Voilà. Passer le trou et je rentre. Maintenant, arrivé à un moment, ça ne pourra plus. Il n'y aura plus assez de longueur pour que ça rentre dans le petit trou. C'est à ce moment-là que vous allez coudre cette partie-là.
Voilà, moi-même, je vais coudre. Je vais coudre les chaussettes. Alors, je vais coudre les chaussettes, alors les pointes sur le rembourrage, l'une après l'autre. Je vais faire ça jusqu'à ce que je termine. Donc, je crois que vous avez bien vu. Donc, je vais faire ça juste jusqu'à ce que je termine. Voilà, j'ai terminé. Il me reste une petite pointe que je vais attacher et mon rembourrage sera prêt. Et tada! Je vous montre comment c'est fini. Je vous montre comment je mets. Alors, j'ai fini de faire et d'arranger mes cheveux. J'ai passé du gel. J'ai brossé. J'ai ramassé ça. Et maintenant, pour faire le chignon, j'enfile le rembourrage. Et après, je vais arrêter ça. Voilà. Eh oui, c'est déjà fini. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Je vous aime. Bye.